Donc voilà, après pratiquement 1 minute de silence, d'abord troublé par le bruit de ma mastication, puis par les effets sonores de tests traditionnels qui m'ont permis de checker sur mon vu-mètre le fait que le micro effectivement marchait bien. Je peux maintenant déjà réaliser quelque chose tout à fait agréable. Et qui consiste à augmenter mon retour, c'est-à-dire que je vais particulièrement bien m'entendre moi-même puisque mes écouteurs ne sont pas branchés sur le mix final mais directement sur le micro. Alors, au niveau de l'importance de la musique, est-ce que je peux changer le niveau de la musique? Oui, bien sûr. Est-ce que ça va me faire parler par-dessus la musique dans ce cas et peut-être risquer de parler trop fort? Ou bien est-ce que je dois légèrement baisser mon retour de telle manière à ce que je m'entende plus correctement sans me blesser les oreilles d'une certaine manière? Ou bien, tout simplement, est-ce que je ne peux pas baisser le niveau musical de telle manière à ce que j'ai l'impression de parler sur la musique, en pouvant jouer avec la musique dans le sens où, effectivement, il va falloir que je module, c'est-à-dire que je parle plus fort pour masquer de temps en temps cette ouverture de Richard Wagner, donc Tristan und Isolde, Tristan et Iseult, qui est un morceau de musique que vous avez déjà entendu lors du dernier cours, puisque c'est un des deux morceaux utilisés par Louise Buniel pour l'illustration sonore. Le terme est intéressant, l'illustration sonore de Un chien andalou. Alors, évidemment, Tristan et Isolde, ce n'est pas contemporain de Un chien andalou, c'est une musique qui a été composée précédemment, qui a été composée à la fin. Ou dans le dernier tiers, hein, je ne m'avancerai pas exactement pour vous dire si c'est la fin ou le dernier tiers du 19e siècle. Donc le compositeur, vous le connaissez de nom, c'est Richard Wagner. Richard Wagner est l'opérateur, disons, à la fois le concepteur, le réalisateur, l'inventeur d'un procédé qui a plusieurs noms, disons. C'est-à-dire que pour les contempteurs de Richard Wagner, évidemment, c'est l'opéra wagnérien, l'opéra que Richard Wagner met en place, disons, à Bayreuth. C'est une ville d'Allemagne que je ne connais pas personnellement. Je connais personnellement Berlin ou Francfort et Francfort, puisque je ne connais que ces deux villes allemandes directement par mon expérience directe. Bayreuth, donc c'est toujours assez drôle, puisque en prononçant mal, on peut se tromper entre Bayreuth et Beyrouth, donc où a lieu chaque année depuis le 19e siècle, hein, un festival, le festival de Bayreuth. Donc encore une fois, il ne s'agit pas du festival de Beyrouth, mais du festival de Bayreuth qui consiste à jouer les œuvres de Richard Wagner de manière plutôt exhaustive. Enfin, je ne connais pas bien ce festival, je vous avoue que je ne me considère pas comme un wagnérien fini. N'est-ce pas? Mais au contraire, comme quelqu'un qui s'intéresse à la musique en général, qui essaye d'éviter certains écueils quant à cette musique. Le premier écueil étant de la définir comme une musique classique ou comme une musique romantique. La musique que vous entendez derrière moi, même si en fait elle vient
de devant moi, puisque je l'entends à travers ces microphones. Oui, puisque ce sont à la fois des macrophones, c'est-à-dire de tout petits haut-parleurs que je glisse à l'intérieur de mes oreilles, mais ce sont physiquement des microphones, c'est-à-dire que si j'étais dans un véritable procédé analogique, disons, je pourrais vous parler à travers mes microphones. Voilà. Mais ce sont ces microphones qui sont des microphones inversés, c'est-à-dire qu'au lieu que mes lèvres fassent vibrer ce microphone que vous voyez bien et qu'ils aillent agir sur les haut-parleurs, et bien là, voilà, ce sont de tout petits haut-parleurs, mais reliés comme par un cordon ombilical. Mais le courant passe dans un sens, c'est-à-dire de l'émetteur vers le récepteur lorsque je parle, et voilà, du récepteur vers l'émetteur, je ne sais pas comment vous expliquer exactement, disons que dans un sens ou dans l'autre, ces deux objets, enfin ces trois objets, sont purement identiques. Voilà, donc je vais me répéter une dernière fois. Pour peu que votre branchement soit correct, après il y a des questions d'impédance, il y a des questions purement techniques, mais c'est tout à fait possible de transformer un micro en haut-parleur. Et il est tout à fait possible, et même arrivé en tournage, hein, pour l'enregistrement d'un son de mauvaise qualité, mais si on n'a rien du tout, si les micros sont tous cassés et qu'il nous reste un casque, et ben on peut quand même enregistrer, disons, l'interview du pape, l'interview de quelqu'un dont la parole doit être enregistrée à tout prix. Alors, l'enregistrement, ce ne sera peut-être pas de très bonne qualité, mais cet enregistrement existera. La preuve que je peux vous faire, même si je n'ai pas de véritables exemples sous la main, puisque ce modèle est beaucoup trop nouveau, beaucoup trop moderne pour vous en faire l'illustration, disons. Mais voilà, ça s'appelle le téléphone, hein, on pourrait appeler ça un bigophone ou un biphone, c'est-à-dire un microphone pour phone, un microphone pour faire rentrer du son, et un micro out. Voilà, donc le micro out devrait être plutôt ici, voilà, le micro out est là, le micro in est là, voilà, très bien. Donc voilà, ça c'est donc le code 17, voilà, ça c'est code 17, téléphone, code 17. J'aurai l'occasion de vous expliquer cette série de codes par la suite. Mais tout ce que vous avez à retenir de ces 11 minutes qui vont bientôt s'achever, c'est que, donc, premièrement, plus le microphone est visible, plus le son sera bon pour plusieurs raisons. D'abord, le fait que vous me voyez et que vous me voyez avec un micro provoque chez vous une espèce d'effet placebo. Parce que vous me voyez en présence d'un micro, vous avez l'impression que le son est meilleur. Pensez-y. Ma voix, dans la mesure où, voilà, ma bouche est masquée, on pourrait avoir des pauses aussi plus R&B, ou plus, ou même plus hip-hop, hein, si je tenais le micro à la main, mais là, il y aurait, hélas, vous pouvez, des bruits de contact, des bruits de main. C'est très difficile pour certains modèles. Je m'achèterai, j'espère, très bientôt un modèle plus rustique de micro, c'est-à-dire un modèle électrostatique. Il me semble que ce micro n'est pas un électrostatique, n'est pas statique. Dis-moi, j'ai bien peur que ce micro soit un petit peu... Mais bon, ma connaissance des micros, c'est pas l'objet de ces quelques minutes. Le plus important, c'était Wagner.